Salut à tous et à toutes, c'est KD Gamerboy et bienvenue pour ce troisième épisode de Piqûre de Rappel Rétro Gaming. Cet épisode est particulier en effet puisque, comme vous l'avez peut-être remarqué, celui-ci est long et dure près d'une heure. Alors pourquoi est-il si long, me direz-vous ? Eh bien parce que c'est un hommage à la série Double Dragon. Les frères Billy et Jimmy soufflent leur 25e bougie cette année. Et pour faire les choses bien, je vais énoncer la structure de cet épisode consacré aux combattants du Susetsuken. Tout d'abord, en introduction, je vais vous faire une brève rétrospective de ce qu'ont accompli les frères en 25 ans, en passant par leur aventure en jeu vidéo et également aventure en annexe. Ensuite, lorsque vous aurez fait connaissance avec les Double Dragons, je vous proposerai une séance de gameplay de Double Dragon sur Nintendo. Après une légère pause, et oui, parce qu'il y aura une pause, vous me retrouverez en deuxième partie sur un long play de la version NES de Double Dragon 2. Et en conclusion, et donc pour terminer, la vidéo se terminera sur un visionnage de la vidéo d'introduction de Double Dragon 2 sur NEC PC Engine, ainsi qu'une légère séance de gameplay non commentée cette fois-ci. On y va ? Ok, on y va. Comme je l'ai dit précédemment, Double Dragon fête ses 25 ans cette année. Mais Double Dragon, qu'est-ce que c'est ? Pour expliquer le concept, eh bien c'est un jeu beat'em all. Vous savez, ces jeux dans lesquels vous devez généralement affronter un gang qui terrorise la ville, ou alors qui a kidnappé une pauvre femme avec une belle paire de talons hauts, en mini-jupe, fendue stratégiquement et avec comme phrase écrite sur son haut « Kidnap me, I am famous ». En effet, pour arriver à leur fin, les héros doivent corriger la racaille à coups de poing, de pied et si possible de barres de fer. Ce jeu n'est pas sans rappeler Street of Rage ou encore Renegade. D'ailleurs, en parlant de ce dernier, il est considéré pour beaucoup comme le prédécesseur spirituel de Double Dragon. Ce n'est pas faux puisque les deux jeux sont quasiment similaires de par leur graphisme, leur histoire et bien sûr leur gameplay. À part ça, la franchise est l'œuvre du studio japonais Technos Japan et plus précisément du cerveau de Yoshihisa Kishimoto. Le monsieur et son studio sont derrière Renegade, comme c'est curieux, la série Kunio-kun est donc logiquement derrière Billy et Jimmy. Enfin derrière, vous m'avez compris hein. D'ailleurs, en parlant de la franchise Kunio-kun, je vais y revenir un peu plus tard dans un épisode spécial de Piqûre de Rappel Rétro Gaming, ça va de soi. La première apparition de Double Dragon date de 1987 sur borne d'arcade. Cet épisode a incontestablement révolutionné le jeu de combat, et oui en effet puisque c'était l'occasion de sauver une bimbo des griffes du méchant leader des gangs des Black Shadows en haute définition. Non, faut pas déconner, mais c'est vrai qu'à l'époque le jeu mettait KO pas mal de jeux graphiquement. Fort de son succès, la Team Technos a décidé de distribuer les frères en dehors des salles d'arcade dès l'année suivante, et pour ce faire, le studio a eu recours à Trade West pour l'édition, et également à des studios pour réaliser certains portages. Évidemment, Yoshihisa Kishimoto était là en superviseur pour, surveiller les développements des jeux. Le jeu s'est donc vu divisé en au moins autant de fois que Gizmo ferait de Gremlins si une carafe d'eau d'un litre se vidait sur lui. Les frères ont fait un passage sur Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, MSX, PC, ZX Spectrum, Atari 2600, Atari 7800, Game Boy, Game Gear, Lynx, Master System, Mega Drive et NES. Et ouais, rien que ça. Mais la carrière des Brothers était loin d'être finie puisqu'ils se sont retrouvés dans Double Dragon 2, épisode sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Ensuite, il y a eu Double Dragon 3, mais celui-ci, je n'y reviendrai certainement pas, tellement le fossé est grand avec l'épisode précédent. Puis, Super Double Dragon, sorti exclusivement sur Super Nintendo, cet épisode, considéré comme le quatrième opus, était franchement sympa grâce aux coups vachement plus nombreux, et pour cela, remercions les boutons supplémentaires du pad de Super NES. Si le jeu ne ramait pas tant, il serait sans doute pour moi le meilleur épisode. Après tous ces combats, il fallait bien un peu de repos et prendre des vacances pour changer d'air. Les jumeaux ont donc quitté la ville afin de se bronzer à la plage pour y faire du beach volley dans Super Spike V-Ball et ont également fait un détour sur les terres des Battletoads pour sauver la planète. L'année 1994 sonne le glas de la série. Faute de cette perte de vitesse fulgurante, mais surtout faute du succès interplanétaire de Street Fighter, Billy et Jimmy ont tenté de se reconvertir dans le vrai jeu de combat, dans Double Dragon 5, épisode sorti sur Super Nintendo, Jaguar et Mega Drive. Autant dire que cette fois-ci, c'était même plus un fossé qui séparait les autres jeux, mais là, c'était carrément une gigantesque faille. Vous savez, un peu le genre de faille de la taille que celle que Granas et Valmar ont créée dans le combat mêlant le bien et le mal dans Grandia 2. Bref, je vais parler du prochain jeu rapidement pour vous éviter de voir trop longtemps cette déchéance vidéoludique.
Toujours désireux de marcher sur les plates-bandes de Street Fighter, les Double Dragons ont tenté une nouvelle fois le jeu de combat. Malgré le fait que le titre se nomme Double Dragon tout court, le jeu ne revient pas sur ses origines. Cet épisode sorti sur PlayStation et Neo Geo, tiré pourtant d'une œuvre ratée, oui j'y reviens juste après, a relevé le niveau, et plus que relevé car ce jeu de combat ressemble un peu plus à Street Fighter, voire même King of Fighters sous certains aspects. Suite à ces adaptations et après un long moment d'absence, les héros ont tenté de revenir sur le marché du jeu vidéo avec un remake sorti sur Game Boy Advance en 2003, passé sous l'ombre, un épisode passé carrément en dessous de l'ombre sur Xbox 360 et une mouture semble-t-il assez correcte sur iPhone et iPad. A vrai dire, je n'ai pas encore essayé cette dernière. Évidemment, la franchise ne s'est pas limitée aux jeux vidéo, puisque les Double Dragons ont fait leur apparition dans la légendaire et historique console électronique Tiger. Et ouais, il faut se le dire, nous qui sommes nés dans les années 80 avons sérieusement pris un coup de vieux. Puis il y a eu aussi un comics afin de séduire le public bédéphile, les dessins animés Vore n'étaient évidemment pas en reste puisqu'un dessin animé a lui aussi vu le jour. Pour compléter les goodies, il faut également souligner que les Double Dragons ont été des jouets, des petites figurines qui ont fait les joies certainement de petits enfants américains. Je vous avoue que je n'étais pas fan des frères à ce point, de toute manière rien à part la version électronique n'a foulé l'hexagone. Et je termine sur le sujet qui fâche, la goutte qui explose carrément le vase, l'œuvre Double Dragon la plus ratée de toutes, je pense. Et les connaisseurs savent certainement de quoi je parle. Eh bien vous avez raison mes amis, puisque je parle de l'adaptation en film. Et vous savez quoi? Je n'en dirai pas plus, car le film parle de lui-même. Secoue-toi un peu, tu verrais ta tête. Cause pour toi, dégueulis. Non, confonds pas tout. C'est toi, dégueulis. Moi, c'est Démoli. Ah ouais, d'accord. Ils sont morts ? Non, dans une espèce de coma artificiel. Chut ! Tu vas réveiller les morts ! Réveiller les morts ! Et vous avez entendu ? Elle est très drôle, hein ? Nos skaters ont dû détourner l'attention des services de sécurité. Allons-y ! La destinée a enfin réuni le double dragon. Veillez sur lui comme j'ai veillé sur vous. Tu crois qu'on est obligé de porter ce truc? Ah, moi je trouve ça géant, il n'y en a pas comme ça dans les grandes surfaces. Cela dit, heureusement que j'ai pas le bleu. Bah, qu'est-ce que t'as contre le bleu? On se le fait, ce salopard. Ça va, je sais. J'ai mis le feu au théâtre et c'était pas très gentil. Et je vous en paierai un autre. Alors racontons l'histoire du jeu. Donc l'histoire est tirée de la source Wikipédia. Dans les années 1990, la moitié du monde fut détruite par une guerre nucléaire et la violence règne désormais en maître dans les rues américaines. L'un des gangs les plus virulents des États-Unis, appelé les Black Warriors, fait alors la loi dans les rues. Les frères jumeaux, Jimmy et Billy, aguerris au style martial Susetsuken et propriétaires du dojo Susetsuken, décident de se dresser face aux Black Warriors et d'enseigner leur art aux habitants de la ville. Ils furent bientôt surnommés les Double Dragons. Parmi les élèves des deux frères se trouvait Marianne, la petite amie de Billy. Les Black Warriors décidèrent d'utiliser Marianne pour attirer Billy dans leur repère en la kidnappant. Billy et Jimmy décident de se rendre sur les terres des Black Warriors pour sauver Marianne des griffes de Willy. Donc maintenant je vais commencer par vous présenter les épisodes Double Dragon les plus connus et je vais commencer avec la version Game Boy. Cet épisode est pour moi le deuxième meilleur Double Dragon
Et quand je dis deuxième meilleur, c'est Double Dragon 1. En effet, en plus du fait que l'on pouvait y jouer partout à l'époque, celui-ci, en dépit de l'absence de couleurs, avait de très bons graphismes. Des thèmes originaux ont été très bien adaptés sur la portable de Nintendo et le gameplay était aux petits oignons. Imaginez le plaisir de jouer à ce jeu dans les toilettes. C'était quand même la classe. C'est sûr que ça ne vaut pas un Angry Birds, mais ce jeu-là n'existait pas en 1990. Et puis bon, oui, c'est vrai, il fallait aussi une bonne lumière et placer de manière stratégique au-dessus de la console. Ensuite, je souhaite vous présenter la version Master System. C'est celle sur laquelle j'ai le plus joué, puisque c'était cette version que je possédais quand j'étais petit avec mon frère. Les joies du poutrage des frères avec mon frère, à l'époque on s'y croyait vraiment. Cette version était pour l'époque assez jolie, hormis les musiques un tantinet ratées et le gameplay moins efficace que la version Game Boy. Elle était quand même assez divertissante. Mais bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, de l'eau est passée sous les ponts. Beaucoup d'eau même. Et pour terminer, la version Mega Drive. Comme vous l'aurez certainement remarqué, il s'agit de la version console qui ressemble et s'inspire le plus de la version originale. Eh bien, même constat que la version Master System en ce qui concerne la flotte. Oui, l'eau quoi. Comment ? Je n'argumente pas assez. Eh bien, graphiquement, déjà à l'époque, il y avait déjà un retard graphique, surtout lorsque l'on voit d'autres productions de la même année. Les musiques sont de véritables attentats à l'audition, et au niveau du gameplay, c'est carrément l'hécatombe. Et aussi, comment ? Je suis trop méchant ? Bon, j'avoue, je suis dur, mais il n'y a pas que du mauvais, il y a quand même la petite culotte de Marianne en début de jeu, c'est vrai. Et voilà, maintenant que je vous ai présenté les meilleurs Double Dragon, enfin du moins les plus connus, je vous propose une petite phase de gameplay sur Double Dragon sur NES, qui est pour ma part le meilleur des Double Dragon. Et je vous dis allons-y, en avant, l'aventure. Allez, c'est parti, on va se lancer sur la petite aventure Double Dragon. Ça va être très rapide, je vais essayer de faire peut-être deux niveaux. Et vous montrer un peu comment on joue à Double Dragon 1. Et là vous entendez le thème officiel du jeu qui s'intitule Dead or Alive, qui a été maintes fois remixé à la guitare, et je peux vous dire que en tapant Dead or Alive Double Dragon sur YouTube, vous tombez sur de véritables perles. Enfin bref, on commence l'aventure. Donc mode A, un player. Alors, pour expliquer les modes très rapidement, le mode A, un player, c'est-à-dire que je joue tout seul, donc du début jusqu'à la fin. Mode A, deux players. Alors je sais plus exactement à quel moment le deuxième joueur joue, mais il y a un deuxième joueur qui joue, mais c'est chacun à tour de rôle. Donc je crois que c'est dès qu'un joueur a fini un niveau, le deuxième joueur joue à son tour. Mode B, c'est un mode battle à la Street Fighter, et je vais vous montrer ça après. Donc commençons par le mode 1. Culotte ou... Alors notre culotte, non, pas culotte sur la version NES, c'est une exclusivité pour les Segaphiles. Alors on commence l'aventure en compagnie de Billy. Alors, pour l'instant, vous allez voir parmi les coups, j'ai qu'une série de coups de poing. Et les coups de poing se concluent par un coup de poing similaire à tous les coups de poing d'avant. Hop. Alors le gameplay est similaire à des Street of Rage, les jeux du genre. Les beat'em all de base, hein, je vais pas vous raconter ce que c'est, hein, y a rien à apprendre. Donc parmi les coups, donc il y a coup de poing, coup de pied, je peux sauter, je peux me déplacer sur différents plans, je peux des fois prendre des échelles, comme en l'occurrence ici. Par contre je ne peux pas sauter à l'instar de Double Dragon 2 en hauteur. Je peux fouetter les femmes aussi. Ça c'est elles ont pas compris que j'ai descendu. Bon, en plus elles font le tour. Et ben, la prochaine fois que je critiquerai une fille, je ne dirai pas qu'elle est blonde, je dirai qu'elle est Linda. Parce que là, les Linda de Double Dragon, elles sont un peu bêtes. Donc, parmi les différents ennemis que nous rencontrons dans l'aventure, il y a donc les Linda que je fouette aisément, avec un fouet bien aiguisé, ma foi semble-t-il, puisqu'elles disparaissent plutôt qu'avoir des rayures sur le dos et les bras, enfin bref, des rayures sur la peau. Et donc, ça, c'est les Ropers. Donc là vous voyez un Roper africain, un Roper à droite qui jette c'est un peu psychopathe sur les bords. Hein, Donc là je sais pas si vous avez entendu un duit 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 duit, j'ai essayé d'imiter le bruit, j'aurais mieux fait de me taire. Et ce bruit là a annoncé que j'ai pris un niveau
Enfin, moi j'appelle ça un niveau, hein, puisque maintenant je peux faire des uppercuts. Vous avez... Et des coups de pied. Retournez, yeah! Donc, alors j'ai pas fait gaffe à quel palier de points j'ai pu obtenir ce coup, mais dès qu'un cœur apparaît, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet d'acquérir un coup supplémentaire. Un coup que j'ai tout le temps. En perdant une vie, je ne perds pas les cœurs, heureusement. Enfin, les cœurs, les niveaux, bien entendu. Et ça me permet de diversifier mes combats. J'ai également appris le coup de boule. Alors, décidément, les Linda, j'aurais tout fait. Hein. Un coup de fouet, des coups de boule. Il manque les coups de pied sautés. Mais je l'ai pas encore. Vous voyez, là, je saute normalement. Alors, on va la tabasser. Bam! Ah, peut-être une dernière, non? Ouais, une dernière. Eh bien, coquine. Tu aimes bien. En plus, tu viens chercher le fouet, quoi. C'est dingue, ça. Regardez, je descends. Ah, ça, c'est vraiment une femme fatale. Enfin, plus très fatale, puisque maintenant, elle a disparu. Ah, bref. Alors, j'aimais bien ce premier niveau, puisqu'on pouvait faire tomber les ennemis. Histoire de réduire les temps de combat. Bon, lui, il est derrière. J'ai évité de tomber, quand même. Ça, c'est très beau. Et on finit avec le gros lard, le Abobo. Par contre, on n'a pas vu de William encore, enfin à part lors de la capture de Marianne. Enfin, Marianne, qui est Marion, il me semble, en France, du moins en Europe. Et puis voilà, on va passer au niveau 2. On va faire ça rapidement, c'était gameplay un peu rapidement. On est pris par le temps, puisque Double Dragon 2 nous attend fièrement après. Donc cette fois-ci, vous avez des ropeurs caucasiens. Voilà, parce que ce sont tous des jumeaux, mais d'ethnies différentes. Donc là, vous avez entendu le bruit, je ne vais pas l'imiter cette fois-ci. Et ce bruit me permet... Enfin, ce bruit, non. Ce cœur me permet de faire ceci. Enfin, non, pas ceci. J'ai pas de s'entrechoquer à coup de pied. Mais voilà, faire un bon sauté, comme ça. Et c'est sympa. Bon, on l'utilise pas énormément, ce coup de pied, hein, puisque souvent, il est un peu risqué à placer. Ouais, vous avez vu. Il faut bien viser. Donc là, je peux monter sur les grilles. Non, pas ces grilles-là. Voilà, le carton c'est mal, hein, au passage. Parce que voilà, le carton ça fait très mal. Quel repère n'aime pas ça. Oh, pas mal l'esquive. Alors lui, comme ça lui. Ah, c'est tombé sur un. Après, le repère africain, le repère occidental, pardon, le repère esquivateur. De l'esquivation. Donc, ça c'est les William. Donc, les William c'est un troisième type d'ennemi du jeu. Ah, Bobo, je sais plus si je vous l'ai présenté, mais vous avez vu. On avait fait tomber l'un tout à l'heure. Donc ça, c'est les Williams. Généralement, effectivement, les Williams rapportent des battes. Ça, par contre, je crois pas avoir vu beaucoup de... Je crois que j'ai jamais vu de Linda ou encore de Roper avec une batte de baseball. Ce qui est regrettable, enfin, ce qui est dommage, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ramener, apporter, enfin, du moins, porter les objets que les ennemis apportent. Mon français est pas super. Mais malheureusement, une fois que nous avons battu un certain nombre d'ennemis, généralement les ennemis qui sont dans la zone dans laquelle je suis, une fois que j'ai battu tous les ennemis de ma zone, et ben l'objet en question disparaît, vous allez voir. Voilà. Et ça c'est un peu, ben, dommage. Et ça a été récurrent à tous les doubles dragons, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Alors, on va continuer la petite balade à fouetter les femmes encore. Alors je suis désolé, hein. Je ne suis pas misogyne, hein, je le dis, hein, je précise. J'aime beaucoup les femmes, mais pas dans le Double Dragon. Voilà, c'est juste une petite précision. Bah, faut les fouetter de toute façon. Si vous voulez finir le jeu, il faut obligatoirement les fouetter. Alors, je sais pas si ça rapporte plus de points. Bon, je suis pas sûr que Trade West à l'époque était. Bon, on va arrêter de dire des conneries. Hop, on va se débarrasser d'elle. Ensuite, vous allez voir le cinquième ennemi du jeu. Je crois qu'il y en a 6 en tout. Donc, Roper, William, Linda. Là, vous allez voir Chin, Abobo et Jeff. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Alors, je vais me battre un petit peu avec lui, puis après, je vais vous montrer une astuce légendaire. Puis ensuite, nous passerons à... Ah, le petit bruit qui tue. Alors ça, je crois que ça veut dire que je peux les attraper. Voilà, comme ça. Ah, pourquoi pas le faire tomber? Je suis un peu dur. Alors, j'aurais bien aimé le jeter par-dessus bord, mais j'ai envie de montrer une astuce qui était quand même légendaire, qui était super. Et je pense que, même si tout le monde est capable de battre Chin, c'était une astuce qu'on a tous fait au moins une fois dans notre vie.
Et là, je le fais, rien que pour vous. Regardez. Et ça, c'est génial. Ça, c'est le genre d'astuce qu'on pouvait trouver dans les jeux. Enfin, je crois pas avoir vu d'autres jeux où il y avait une astuce similaire, mais c'est quand même une astuce super. On n'est pas obligé de le faire. Mais c'est quand même assez un peu de classe. Alors, je sais pas si ça a été voulu. Mais en tout cas, toujours est-il que le sprite du personnage doit disparaître une fois qu'il n'est plus dans l'écran. Et du coup, ça considère que j'ai gagné. En tout cas, c'est super. Allez, on se prend un couteau dans la tête. Et on passe tout de suite au mode B. C'est parti, mon kit. Allez, on retourne sur le menu principal. Et on va faire, bah, comme je suis tout seul, on va faire mode B, un player. Donc, parmi les personnages jouables, j'ai le choix entre Billy, Will, William, bien sûr, Roper. Donc c'est Roper en anglais. Je crois qu'en français c'est R-O-P-E-R. On s'en fiche de toute façon. Linda, un peu plus sexy. Là par contre, on a plus envie de la fouetter quand même. Chin et Abobo. On va prendre Billy, hein, parce que moi je suis un héros de toute façon. Et ce qui est regrettable en fait dans ce mode, c'est qu'une fois qu'on a choisi notre personnage, nous battons contre un jumeau identique. Donc si je prends Willy, si je suis Roper. Je serai un Roper, si je prends un Bobo, je serai un Abobo. Pas possibilité de mélanger les races. Moi je parle de race, hein, n'importe quoi. Et ben ce mode là, ben, a très peu d'intérêt. Hein. À part peut-être jouer avec un pote, histoire de... Voilà, de déchaîner sa fureur. Parce que ce n'est pas possible de le faire en mode coopération. En plus je me fais lyncher par le CPU. Et alors ce qui... Je sais pas... À croire en fait que ce mode-là a été développé à part, mais le jeu n'est pas aussi vif qu'en un joueur. Je sais pas pourquoi. Je vais peut-être le battre. Ah non, ah, c'est lui qui est en train de me battre, ouais. Il y a plat de couture. Bon, on va finir sur une défaite cuisante. Oui. Donc bah, c'est un mode qui a très peu d'intérêt, hein, vous le voyez très bien. Il n'y a pas... Il n'y a pas à en dire. Bon bah je vais perdre. C'est bizarre que je meurs pas. Ah je vais mourir là. Et puis bah on va s'arrêter là, puisque bah, ça n'a pas trop d'intérêt de faire un autre combat. Peut-être vous présenter un autre personnage, histoire de voir un peu le sprite. On va prendre un Bobo, tiens. Et puis on va s'arrêter là, le temps d'une page de pub, puis je vous montrerai Double Dragon 2, qui est pour ma part le meilleur épisode de toute la série, et je vous montrerai la version NES, donc en long play, et la version NEC PC Engine, Super CD, avec les petites cinématiques, petite présentation du jeu très rapide, peut-être un petit peu de gameplay, je sais pas, vous allez voir, et puis un petit long play Double Dragon 2, avec le soin de mes commentaires et la classe de mon gameplay légendaire, puisque j'adore ce jeu. Enfin, bon, je ne veux pas non plus me faire des fleurs, mais bon, je joue pas trop mal à Double Dragon 2, et ça va être assez sympa de me suivre en live play dessus. Voilà, donc je vous dis, on se retrouve après une courte page de pub, puisque ça ne sera qu'une pub, et je vous retrouve après. Publicité. Les ombres noires attaquent. Défendez-vous. Devenez grand maître en arts martiaux. Pour un ou deux joueurs, des missions fabuleuses dans Double Dragon et Double Dragon 2. Sur console, Nintendo. Re tout le monde, alors j'espère que cette pub vous a plu, en tout cas j'étais obligé de la partager. Nous voilà de nouveau donc sur cet épisode dédié aux 25 ans de Double Dragon, donc dans cette seconde partie, je vais m'attaquer à un long play de Double Dragon 2. Alors pourquoi ? Parce que c'est pour moi le meilleur épisode de tous les Double Dragons, toutes machines confondues. Et vous allez découvrir de toute façon dans ce long play que ce jeu est vraiment très très bon. Alors l'épisode s'intitule Double Dragon 2 The Revenge, qui est la suite directe du premier opus. Et petite anecdote là-dessus, cet épisode-là est sorti près de 3 ans
avant l'épisode 1 sur NES en Europe. Alors pourquoi ? Il y avait des soucis peut-être à l'époque, j'en sais rien, mais c'est quand même assez bizarre qu'un épisode 2 sorte avant le premier. Alors, on va présenter très rapidement le jeu. Alors il est sorti en 1990, il a été réalisé par Technos Japan et publié par Acclaim. Donc c'est un jeu qui se joue, à la différence du premier opus sur NES, il se joue à deux, mais en coopération. Donc il y a deux modes de coopération, donc le mode de joueur A et le mode de joueur B. Alors quelles sont les différences entre ces deux modes ? Enfin, en réalité il n'y en a qu'une, enfin du moins deux, mais la deuxième c'est une astuce. Mais en fait, dans le joueur de joueur A, pardon, on joue à deux, il n'y a rien de plus normal. Et dans le 2 joueurs B, on joue à deux, mais il faut faire attention puisque nos coups peuvent toucher notre camarade. Donc c'est un avantage et un inconvénient. Donc l'avantage, l'inconvénient, c'est que ça fait mal et puis on peut vraiment faire de furieux dégâts à notre camarade. Mais l'avantage, c'est que il y a un mode qui permet d'avoir un max de vie. C'est-à-dire quand on tue au début du jeu notre ami, on gagne des vies en fait. Donc c'est un bon moyen d'assurer ses chances de finir le jeu. Alors sinon, en dessous, il y a Warrior Practice et Supreme Master. Ce sont tout simplement différents niveaux, en fait. Enfin, différents, non, mais ça élève la limite du jeu. En Practice, on n'a que 3 levels. Warrior, on en a 6. Et Supreme Master, on a l'ensemble du jeu. Ça permettait plus... Ça sert à rien, d'ailleurs, en fait. C'est... Ouais, bon, c'est comme ça. Sinon, dernière chose à dire avant de lancer la ROM, enfin, du moins la partie, j'ai pris une ROM traduite en français pour simplifier votre compréhension, et moi également, ça me permet de faciliter la lecture des chapitres. Alors, on se lance dans l'aventure. Alors, en 1900XX, la violence règne sur les rues de New York suite à la guerre nucléaire et les syndicats du crime se développent. Seuls deux adolescents les bravent, ils s'appellent Billy et Jimmy. On les nomme les Doubles Dragons. Mais les Dragons ont un terrible rival, le combattre et le destin, et l'avenir des Doubles Dragons. Un jour, sa horde attaqua la ville et l'ami de Billy, Marianne, fut tué. Donc cette fois-ci, elle n'est pas seulement kidnappée, elle est tuée. Donc là, on voit un Shadow Warrior, encore William en fait. Et elle a de sacrés obus, on comprend pourquoi c'est elle qui chope à chaque fois. Donc, les Doubles Dragons jurent de la venger. Allez, Doubles Dragons, mission 1 en pleine rue. Alors, premier attrait qui surprend dès le départ, ce sont les graphismes bien plus clairs. On sent que le jeu est plus ou moins maîtrisé. Enfin, du moins, la Nintendo est assez bien maîtrisée. Les musiques, pareil, hein, arborent un style audio bien plus agréable à écouter que dans les autres. On sent que c'est de la 8-bit, mais on sent que ça a été bien travaillé. Et je trouve que ça fait partie des bandes son les plus avancées niveau qualité de son. Enfin, après, c'est qu'un avis subjectif. Alors, vous retrouverez dans cet épisode les ennemis que vous avez rencontrés dans les autres Doubles Dragons, à savoir, donc là, c'est un Roper. Juste avant, j'ai frappé des Williams. Et là, voilà les Linda qui vont descendre. Alors, chaque personnage, pour éviter... de montrer qu'ils ont... Enfin, pour éviter de faire croire qu'ils ont rien foutu, chaque personnage ont subi une mise à jour au niveau du skin. Ils ont tous arboré, en fait, un style un peu plus punk. Bon, c'est pas pour déplaire, je trouve que ça colle parfaitement à l'ambiance. Alors, fini de parler des ennemis. Enfin, on en reviendra quand on en croisera d'autres. Mais, donc, niveau gameplay, il y a de nouveaux coups. Donc, à savoir le tourniquet, vous avez pu me voir faire quelques fois. Il y a également le coup de genou. Alors je vais vous montrer comment on joue un peu à ce jeu. Il suffit pas seulement de taper, il y a quand même certaines choses dans le gameplay à savoir. Déjà, pour commencer, lorsque je regarde vers la droite, lorsque j'appuie sur B, je donne un coup de pied. Si je regarde vers la gauche et j'appuie exactement sur le même bouton, ça devient un coup de poing. C'est un peu un effet miroir qui permet en fait d'alterner B et A en combat. Alors vous allez me dire, mais pourquoi avoir fait le miroir ? Je n'en sais rien, ça ne facilite pas le gameplay, mais moi je trouve ça original. Bon, même s'il faut quand même un petit temps d'adaptation pour le maîtriser. Hein. Donc le tourniquet, pour le faire, il faut appuyer sur B et A. Donc comme tous les Doubles Dragons, lorsque nous appuyons sur B et A, nous sautions. Et bien, lorsque Billy ou Jimmy est au point le plus haut, il faut appuyer sur B ou A. Et ça te fait un tourniquet. Donc elle est assez simple à faire. Sachant qu'on a quand même un timing
assez large, enfin plus ou moins large. Donc, je vais pas te dire qu'il est simple à faire, mais elle est pas difficile non plus, quoi. Ensuite, il y a le coup de genou. Donc pour le faire, par contre, ça c'est un peu plus difficile. Il faut sauter. Donc là, je fais pause. Lorsque Billy est à genoux, il faut, il y a une frame bien, enfin deux trois frames peut-être bien spécifiques sur lesquelles, en fait, il faut appuyer en haut. Plus la direction vers laquelle vous voulez orienter le coup, donc en l'occurrence la droite, donc ça fait O, diagonale O droite, plus BA. Donc en fait il y a un timing, donc il faut sauter une fois, Billy ou Jimmy est à genoux, puis diagonale gauche ou droite, diagonale au gauche ou droite en fonction de la direction choisie, et BA. Et le timing c'est à peu près maintenant. Maintenant. C'est à peu près ça. Donc, alors vous allez me dire pourquoi avoir fait un coup aussi difficile à placer. Parce que je vous le dis sincèrement, je pense que beaucoup ont dû pêcher pour le faire. D'ailleurs, on perd beaucoup de santé à essayer de le faire en combat. Alors, je vais vous répondre très simplement. Si le coup est difficile à placer, c'est parce que c'est une attaque mais qui est carrément cheatée. Parce qu'elle tue n'importe qui. Enfin, en parlant des mobs. Donc, enfin des mobs. J'ai un peu le... Faudrait que j'évite le langage des MMO, moi. Parce que ça permet de tuer n'importe quel gaillard de petite taille en un coup. Par exemple, lui en un coup. Regardez, je vais encore en faire un autre. Oups. Ah bon, il est mort. Bah pour le boss, vous allez voir, je vais lui faire 3 coups de genou, il va être mort. Direct. Voilà, 1. 2. Vous avez vu, en 2 coups, il est déjà mort. Alors lui, c'est Burnov. Il a la particularité de ressusciter au moins une fois. Vous avez vu, en 3 coups, il est mort. Une fois que vous maîtrisez le coup de genou, ce jeu est un véritable plaisir. Je vous le dis clairement, c'est un véritable plaisir. Allez, chapitre 2. Il fuit dans cet hélico. Allez, en enfer. Bon, on sait pas qui dit ça. Bah alors ici, il y a peut-être des chances que je perde, puisque... les Roopers sont du genre à... Ah. Ouf, j'ai eu chaud. Parce que généralement, je sais pas pourquoi... Enfin, généralement, non, mais... Assez souvent, les Roopers ont la tendance à me faire tomber. Alors, heureusement, c'est variable, hein, donc ça donne un peu... Enfin, l'intelligence artificielle du jeu est assez variée. C'est ça qui est sympa, c'est qu'à chaque partie, on appréhende les ennemis de manière différente. Enfin, du moins, généralement, de manière aléatoire, donc c'est assez intéressant. Après, bon, quand on connaît le jeu par cœur, évidemment, on sait à quel moment... faire des coups, quel moment frapper, où, quand. Donc c'est sûr que ça ne diversifie plus le gameplay, mais généralement dans les premières parties, on varie l'appréhension des mobs. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, je vais faire une petite séance hors sujet. Enfin, hors sujet, si, on reste quand même dans Double Dragon, mais un petit détail, en fait, j'avais oublié de mentionner sur la première partie concernant le Double Dragon. Sur l'épisode de Nintendo, à la différence... des autres épisodes que j'ai présentés, à savoir Game Boy, Mega Drive et Master System, le boss de fin, ce n'est pas Jeff sur la version Nintendo, c'est votre jumeau, Jimmy. En fait, vous vous battez tous les deux pour Marianne. Donc, c'était assez original, en fait. Ça donnait l'impression, déjà, de se battre contre un jumeau maléfique. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais me battre contre un jumeau maléfique, vous allez voir. On appelle Doppelganger en anglais. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne vous le dirai pas. De toute façon, je ne le sais pas. Donc là, le boss de ce deuxième niveau... Enfin, les boss, puisqu'ils sont deux, ce sont les Chin. Donc, le boss que j'ai battu quasiment sans frapper sur la version NES, si vous en souvenez, avec l'astuce pour faire disparaître le sprite. Et on va prendre une pause de... On va prendre une vieille pause pas virile pour finir le niveau 2, tiens. Et donc, ouais, les Chin, donc cette fois-ci... c'est pas les Chin, pardon, eux sont des ninjas. J'ai dit n'importe quoi. Les Chin, on les revoit plus tard. Arrêtez, nous vous aurons. Grasp. Je sais pas, peut-être une onomatopée pour dire j'ai attrapé l'échelle. Enfin bon, en gros, j'attrape l'échelle. Donc, bataille aérienne dans ce premier niveau. Vous allez voir, la porte s'ouvre. Peut-être direct, ça dépend. C'est variable. En tout cas, dès qu'on arrive dans ce niveau, il faut aller en bas. Regardez. Ah, ça va. Parce qu'en fait, dans ce niveau, ce qui était bien, en fait, c'est que les éléments du décor, bien souvent, s'en mêlaient. Et du coup, ça donne vraiment l'impression de faire des combats un peu comme dans les films américains, les films d'action, où généralement... les genres de Stallone et tout ça se situent dans une usine comme par hasard qui est en fonctionnement et qui doivent se battre sur un tapis roulant jusqu'à des pics où
ou des rouages... Ouf, j'ai failli mourir. Ouf, ça a failli mal se terminer tout ça. Alors lui, ce n'est pas un bobo, contrairement à ce que vous pouvez croire. Il s'appelle Bolo. Alors donc, c'est une version 2.0 d'un bobo, puisqu'il a... Oh non, c'est... Oh, c'est grave. Le suicidaire qui... criminel, quoi. J'espère que ça ne va pas m'empêcher de terminer le jeu. En tout cas, c'est malheureux ce qui m'est arrivé. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est tant pis. Donc, l'appareil est atterri sur une île perdue. Donc oui, comme je disais, donc les combats, enfin les décors se mêlent de nos combats, donc ça donne des combats vachement sympas. Ben, comme la preuve, hein, là, la porte de l'hélico qui s'est ouverte avec l'aspiration qui nous envoie carrément perdre une vie. Donc en fait, c'est ça. C'est une fois donc. Ce qui est intéressant, c'est que chaque niveau est unique. Les musiques en plus sont vraiment superbes. Alors, je prends une meuf et comme par hasard, je la prends comme ça. Alors désolé, encore une fois je le répète, je ne suis pas misogyne, j'aime beaucoup les femmes. Donc comme je disais, donc les niveaux, chaque niveau est unique. Chaque niveau a sa musique. Donc ça c'est une chose qu'il faut bien préciser, puisque à l'époque, beaucoup de jeunesse avait une musique qu'on retrouvait au moins 10 000 fois dans la même aventure. Donc là, je trouve ça intéressant. En plus, les musiques sont sympas et de très bonne qualité. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment un plaisir. Donc malheureusement, je suis pas tout seul. Mais j'espère plus tard que je ferai un live à deux avec quelqu'un pour vous représenter le jeu. En live, cette fois-ci. Puisque là, c'est une émission enregistrée. Ça reste un live malgré tout. Mais l'avantage du live, c'est que je pourrais répondre... en temps réel, s'il y a du chat, enfin bon, ça on verra ça le moment voulu. En tout cas, ce sera pas dans l'immédiat, puisque rien n'est facile. Alors ici, l'avantage, c'est que les pics du plafond ne font pas beaucoup de dégâts. Enfin, ne font même quasiment pas de dégâts. Donc, ce qui est intéressant d'utiliser, c'est... Alors, ou bien l'upercute comme je faisais, parce que j'arrivais pas à faire l'attaque voulue. Ou alors, le coup de genou. Et c'est comme un saut normal, sauf que lorsqu'on se relève, il faut mitrailler en fait BA, puisqu'il y a pas, enfin le timing est plus dur à trouver lorsque nous sommes à terre. Alors hop. Donc quand je parlais de mise à jour 2.0 des mobs, ça va de soi également pour les objets qui nous rapportent. Donc les gonzesses, c'est des grenades, donc ici elles jettent des grenades. Les Williams, ce sont des couteaux. Alors au passage, les couteaux, ils sont carrément en 0.0 puisqu'ils font quasiment pas de dégâts. Là, dans l'épisode 1, j'aurais perdu au moins la moitié de ma santé. C'est clair. Bon, par contre, là, j'ai vraiment pris cher. C'est le salopard, lui. Bon, là, ça va être dur. Je risque de perdre une vie puisque Abobo est quand même assez chiant. J'espère que ça va passer. Cet abobo là est un peu difficile puisque on a une zone vachement restreinte pour effectuer les sauts. Donc automatiquement, ça rend le combat bien plus difficile. Alors cette partie de gameplay, je la connais par cœur, c'est pour ça que je n'ai pas perdu, mais beaucoup de vies ont été perdues ici. Alors, où va nous mener ce sentier? Sûrement vers la mort, mais il n'y a pas de dérobade possible. Forêt du trépas. Alors je trouve que les traductions sont correctes. Alors je ne sais pas quelle équipe de fansub a fait ça, mais je trouve que c'est sympa. Puisque comme beaucoup de jeux d'époque, pas de traduction française. Donc très certainement parce que les équipes éditrices n'avaient pas le matériel pour traduire. Enfin, du moins l'équipe de développement. Parce qu'il faut des équipes de développement, mine de rien. Ça a l'air de rien comme ça, mais ouais. Ah bon. Donc quand je parle d'endroits variés, voilà, je pense notamment aussi à ce niveau-là, où je traversais une magnifique cascade. Alors je pense que beaucoup d'entre vous ont des anecdotes sur cette partie-là du niveau, puisque
Je pense que beaucoup ont tenté d'emprunter le chemin du haut, qui est clairement très difficile à passer, et sur lequel, ben, il y a au moins 3 chances sur 4 de mourir. Et je pense que je suis gentil quand je dis ça, puisque en général, on meurt même peut-être plus souvent que ça. Alors, donc eux, ils jettent des pyramides. C'est vrai qu'il y a pas mal de lettres qu'on retrouve dans ces deux mots, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Dans ces dynamites, en fait, ils jettent des dynamites. Et les dynamites... Oh non ! Et j'ai failli perdre une vie bêtement. Alors, je vais pas prendre le risque. C'est généralement, je m'amuse à le faire tomber, comme ça. Mais là, comme j'ai envie d'aller le plus loin possible... Je vais pas faire l'imbécile. Éviter. Alors ça, c'est une technique qui marche bien. Alors vous avez peut-être pas compris ce que j'ai fait, mais sauter, faire le tourniquet, ça fait en sorte, au moins une fois sur deux, ou peut-être une fois sur trois, je sais pas, ça fait baisser les ennemis, en fait. Ils évitent le tourniquet et se baissent. Donc du coup, ça permet, si vous réussissez un coup de genou après, de faire un combat carrément facile. Mais encore faut-il maîtriser ces deux attaques. Donc voilà les Chin. Je confonds toujours les Chin et les ninjas. Donc eux, ce sont les Chin. Donc cette fois-ci, ils portent des couteaux. Enfin, ou des bâtons. Je crois que dans le 1, c'était des bâtons. Je sais pas. En tout cas, ils sont toujours armés. Par contre, cette fois-ci, pas moyen de les tuer en quittant l'écran. Alors, j'ai toute la place pour les battre et je galère. C'est dingue. Alors, cette musique-là aussi fait partie des passages légendaires du jeu, puisque je pense qu'on a beaucoup perdu de temps ici. Parce que voilà, la locomotive fait des allers-retours, plus les déjections de gaz ou de fumée, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, je fais assez facilement, parce que je vais vous dire sincèrement, je me suis buté sur Double Dragon 2. Donc c'est tout à fait normal que je fasse assez facilement. Alors eux, c'est vrai que je l'ai pas dit. Ces personnages-là s'appellent Right Arm, en anglais, ce qui veut dire bras droit, pardon. Bras droit, alors pourquoi ce nom, je n'en sais rien. Sachant qu'ils frappent des deux bras. Je sais pas. C'est comme ça qu'il s'appelle. Alors lui, il s'appelle, je sais plus. Mais bon, on va pas se le cacher. Il ressemble quand même au gouverneur de Californie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est quand même le sosie de Schwarzy, mais en version pantalon treillis et torse nu. Alors où diable sommes-nous ? Ça empeste le mal ici. Manoir maudit. Alors ce qui est marrant, c'est que pour sauver Marianne, ils vont dans tous les endroits impossibles. Bon, c'était un peu les incohérences de l'époque. Mais tant pis, si ça peut faire varier les niveaux, on ne va pas cracher dessus. Purée, j'étais sûr que j'allais perdre encore une fois ici. Bah, il ne me reste plus que 2 vies, ça sent vraiment très mauvais. Ça sent vraiment très mauvais. Oh, je sais pas comment je vais me débrouiller avec 2 vies, là, franchement. Bon, si je me débrouille bien, je peux quand même terminer le jeu. En tout cas, si je le termine pas, tout ce que j'espère, c'est que cette vidéo vous plaît. Et au passage, qu'au niveau montage, elle ne me fera pas chier celle-ci, puisque j'ai eu 2 soucis, même 3 soucis de montage. Donc c'est mon 3ème live que je fais. Donc j'ai perdu près de 2 heures de temps pour faire un live correct. Et j'espère que c'est celui-ci. Alors si des vidéos testeurs regardent cette vidéo, vous connaissez très certainement la maladie, la malédiction du vidéo testeur. C'est lorsqu'on fait une vidéo test, c'est toujours ce moment-là, ou bien qu'on joue mal, ou alors qu'il arrive des choses totalement incongrues. Un jeu qui plante, un boss simple qu'on n'arrive pas à battre. Plein de choses comme ça. Par contre, là, je viens de faire un saut parfait alors que je parlais. Sympa. J'ai pu me concentrer tout en jouant.
et parler. Alors, Billy, ça devient trop dangereux. On aurait dit la voix de Marianne, c'est impossible ou alors ? Donc niveau 7, alors cette fois-ci on rentre dans un décor carrément industriel, plus ou moins comme le niveau 4. Sauf qu'ici, j'ai failli perdre une vie, alors là... Oh. Étendue du slip. Voilà, un right arm en moins. Burnov, on va essayer de le projeter lui aussi. Donc, un tourniquet. J'ai raté. Alors là, ça risque d'être très dangereux pour moi. Ah, vous avez entendu le coup de genou. Malheureusement, il n'est pas passé. Et le Burnov qui prend plaisir, à m'éjecter. Heureusement que c'est pas à bobo, parce que dans le sens où je suis, il m'aurait projeté. C'est clair. Là, ça fait flipper, puisque la plateforme disparaît sous nos pieds, petit à petit. Quand je vous dis que les décors s'en mêlent, ce n'est pas une fiction. Alors, voici la partie pour moi, hein. Alors, c'est vraiment un avis subjectif. C'est la partie, selon moi, la plus difficile. Puisque il faut un timing de rude épreuve et bien surveiller le parcours des pics. Donc là, je vais attendre qu'il passe sur ce rouage. Voilà. Voilà. Yes! Oh, je suis fier de moi. Là, j'augmente mes chances de terminer le jeu. J'aurais qu'à m'appliquer pour le boss de fin. De toute manière, même si je termine pas le jeu, j'aimerais bien au moins vous montrer le boss de fin. Alors, pour les jeunes générations, c'est un petit message pour vous. Franchement, c'était pas super ça comme jeu à l'époque. On jouait à deux avec nos amis, je pense qu'on avait tous deux manettes sur Nintendo, parce que souvent ils vendaient les manettes à des packs de consoles à deux manettes. Ah, il me saoule lui là, il pétait de dynamite. J'ai tapé un raw du coup. Je sais pas ce que j'ai à chaque fois, en plus c'est la troisième fois que je rote pendant que je joue. J'espère qu'il est mort là, parce que sinon... C'était chaud là. Alors heureusement ici ils sont sympas, hein. Le sol se dérobe pas sous la porte. Parce que là, à mon avis, ce serait game over assuré, puisque à chaque fois je réapparaîtrais dans les pics. Donc là ils sont sympas. Le combat était épique pour le coup. Généralement je bute les ropers avant, mais celui-ci était un peu du genre fuyant. J'ai pas assez de coups de genoux, j'essaierai d'en faire plus. Alors, petit message également. Alors, malheureusement, j'ai pas toutes les anecdotes sur ce jeu. Parce que bon, bah, je ne connais pas toutes les anecdotes sur les jeux. Mais ce que je peux vous proposer en revanche, c'est de visiter le site GrosPixel. Donc, je vais faire apparaître le lien sur certaines anecdotes alléchantes d'un connaisseur de la série. Enfin, même deux connaisseurs au pluriel, puisque je vais envoyer un lien en fait pour. Les anecdotes sur l'épisode 1 et les anecdotes sur ce second épisode. Je vais en profiter également pour vous dire que je vous aime. Que non, sérieusement. Je vais en fait en profiter pour vous dire que je vous rassure. Je présente pas Double Dragon 3 et 4 ici, mais je le ferai prochainement. Alors quand j'en sais rien. Hein, mais même s'ils sont mauvais, ils ont marqué quand même une partie de leur époque. Enfin, à leur manière, on va dire. Et ils ont plus ou moins provoqué le déclin de la série. Enfin, du moins, ils ont agenouillé la série Double Dragon. Puis, le film a carrément achevé Double Dragon. Quoi. C'était un peu comme Street Fighter. Bon, heureusement, il a réussi à se relever avec les Alpha. Mais Double Dragon, ça a carrément entraîné la mort de la série, le film. C'est pourtant Marc Dacascos, qui est quand même un bon acteur, je sais pas, mais il a quand même un charisme, il se bat bien et tout, mais bon, le film, wow, Robert Patrick, qui est dans l'apparence la plus ridicule de tous les rôles qu'il a pu faire au cinéma. Bon, Alyssa Milano, bon, les cheveux courts, blonde, bon, en même temps, c'est peut-être le seul argument de regarder le film, mais autrement, ouais, c'est vraiment un déchet. Ah bon.
C'est malheureux, destin funeste pour les frères Billy et Jimmy. Non, alors ce troisième niveau, franchement, quand je vous dis que ce jeu-là était super de par les décors, le petit reflet, bon malheureusement on ne voit pas les reflets des doubles dragons, mais bon, faut pas déconner, hein, on reste quand même sur de la 8 bits, mais ça gère. Puis la musique, on sent que dans cette musique il va se passer des choses un peu dingues. Des combats épiques nous attendent. Alors eux, ils sont chiants. Puisque ils ont gagné en solidité. En fait, à ce niveau-là du jeu, les mobs sont plus solides. D'ailleurs, certains ont disparu. Comme les Linda et les William. D'ailleurs, on les voit plus. On les reverra plus, d'ailleurs. Alors, je sais pas pourquoi ici, mais j'arrive pas à les coups de genoux. C'est toujours hors combat que j'y arrive. Bon, là, il va avoir... Alors ici, il faut faire attention, puisque la plateforme amène sur un trou. Salopard. Alors ici, j'ai deux à bobo. Faut que je fasse gaffe. J'arrive plus à les coups de genoux, comme par hasard. Alors, quand je vous dis qu'ils sont pas faciles, c'est pas une blague. Hein. Donc la deuxième façon en fait de les battre, c'est de faire ça, de sauter et faire un uppercut. Plus ou moins au même timing en fait que le coup de genou. Et comme par hasard, j'arrive plus le coup de genou. Ah, c'est dingue ça. C'est fou. Voilà. Voyons. J'y croyais plus. Donc là, il va y avoir avalanche de ninja. Si vous ratez un tourniquet comme je viens de le faire là, c'est mal barré. Je vous le dis. En plus, je les rate tous. Voilà. Fallait bien que je crève. Et là, j'y arrive. Et voyons, c'est un sacré beau combat. Alors ça, c'est un jumeau maléfique qui a la faculté de faire des boules de feu, chose que nous ne pouvons pas faire. Et voilà. Et de prendre possession de notre corps, voilà, à ce moment-là. Mais je vais malheureusement pas vous le montrer puisque il me reste plus qu'une vie et j'aimerais bien vous montrer le boss de fin. Alors ça fait quand même des dégâts importants. Ah, t'es pas mal celui-là, coup de genou à l'aveugle. Alors je pense que des fous, des gueudins ont dû, avec l'action replay, permettre de faire les boules de feu. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais j'en suis sûr. Parce qu'il y a toujours des bidouillards. Ah bon. Boss de fin. C'est impossible, ce n'est pas Marianne. Le combat final. Et là, nous allons nous battre contre le Black Warrior. Hop. Ou le... Ouais, Black Warrior, c'est ça. Chevalier noir. Ombron, bon, on s'en fout. Voilà la fin du chemin, double dragon. Vous n'êtes plus rien face à mes illusions. Allons-y. Je dois te terrer pour venger Marianne. Sois prêt, noir guerrier. Va, Billy. Donc, cœur en lui. Attention. Alors, comme les jumeaux maléfiques, il a la faculté de disparaître. Et quand il disparaît, en fait... Quand il disparaît, pardon, parce que là j'ai tellement concentré que... quand il disparaît, voilà, il nous attaque. Sauf que, bon, ce qui est différent
de notre jumeau maléfique, c'est qu'il ne prend pas possession de notre corps. Bon, par contre, la partie va se terminer ici. Malheureusement. Et je ne vais pas faire le code parce que je ne sais pas le faire, il est trop dur. Bon ben, tant pis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai perdu 2 vies bêtement. Et c'est toujours comme ça que je ne termine pas le jeu. C'est toujours 2 vies que je perds à des endroits simples. Ouais bon, c'est comme ça. Alors, c'est sur cette défaite cuisante face au Black Warrior, je vous propose de voir un tout petit peu de gameplay sur la version NEC. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas commenté, c'est juste pour vous montrer en fait comment est cette version. Donc, à la différence de la version NES, elle a été développée par Naxat et non par Technos. Vous allez voir que graphiquement il est mieux. Alors les musiques sont vraiment particulières, vous allez voir de toute façon. Mais l'avantage en fait qu'il y avait, c'est qu'il y avait des cinématiques en fait entre chaque niveau. Et ça parlait en japonais, donc pour les amoureux du pays du soleil levant, vous devriez trouver votre compte. Donc ça reste un bon jeu, jouable en coop. Il est exactement comme celui-ci, enfin plus ou moins, en tout cas les niveaux. Le level design est différent, mais les structures de niveau, enfin du moins les graphismes, les décors sont inspirés de cet épisode là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo test. Alors qu'est-ce que ce sera, surprise, peut-être Flashback ou Tony Hawk 2, je ne sais pas, on verra en temps voulu. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions, commentaires, je suis ouvert à toutes ces propositions. Et ça fait un peu... Enfin bon, je ne dirais pas quoi. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, rejoignez-moi sur Facebook. Si vous m'avez trouvé sur Gear Network, abonnez-vous à l'émission également. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!1992年、2大国の対立はすでに過去のものとなり、もはや大国による核戦争で世界が破滅する危機は去ったと思われていた。しかし、1998年7月13日、アメリカ西部のミサイル基地より撤去寸前のICBM、老朽化による故障のため誤って発射されてしまった。 何重もの安全装置がなぜ作動しなかったのか、今となっては誰にもわからない。2年後、ニューヨークは奇跡的に全滅を免れ、再び活動を始めていた。だが、治安状態は非常に悪く、ビリーとジミーの双子の武道家は道場を開いて住民に護身術を教えていた。そしてある日、 謎の武装集団がニューヨークに現れた。次々に住民が殺され、金品が奪われていった。お願いだからやめて。 原殺権の味を試させてもらうぜ。<笑>原殺権。ダブルドラゴン。ダブルドラゴン。 手間取ったな。早く帰ろう。マリアンが心配してるぜ、きっと。
この部屋の中はどうしたんだ？マリアン！マリアン！誰にやられた？マリアン！マリアン、死ぬな！
このヘリで逃げようってわけか。そうはさせるか。待ってろよ。